On a peut-être les premières images. Évidemment, la presse est au rendez-vous dans ce quartier de l'Opéra à Paris. 4 auteurs, comme chaque année, étaient finalistes de plus anciens prix littéraires français. Une récompense qui, quand même, date de 1903 et qui est censée récompenser le meilleur ouvrage d'imagination en prose paru dans l'année et écrit par un auteur d'expression française. Et donc, on l'aura compris, c'est le Sénégalais Mohamed Bougarsar, 31 ans, qui se voit récompensé, qui sort du aujourd'hui. Oui, alors c'est à mon avis une très bonne nouvelle pour la littérature. Il est sûr que ce livre, La plus secrète mémoire des hommes, était peut-être le livre le plus exigeant du lot, celui dont la forme est la plus complexe. Après, je trouve que c'était un très bon cru pour ce concours. Il y avait à mon avis 3 excellents livres qui pouvaient briguer la récompense. Là, c'est un choix, il me semble, assez courageux qu'ont fait les jurés concours. Pourquoi un choix courageux? On le présentait malgré tout comme l'un des favoris. On le présentait comme un des favoris parce que c'est sans doute le livre le plus un des plus littérairement ambitieux de la sélection. C'est aussi un livre d'un jeune romancier. Parfois, on peut être tenté de couronner un romancier plus confirmé ou d'attendre un petit peu, de sélectionner de jeunes romanciers, mais d'attendre un petit peu. Là, c'est pas le cas. Et c'est un choix courageux aussi parce que ce n'est sans doute pas le choix qui va favoriser des ventes colossales, si vous voulez. Le livre étant exigeant, ça sera sans doute un bon concours, il aura de bonnes ventes, mais je ne pense pas qu'il battra le record établi par Hervé Le Tellier l'an dernier avec l'Anomalie. Alors, il y a aussi une question d'édition, d'éditeur, oui. Je le disais. Comme à chaque fois, ce concours était une confrontation entre, alors cette fois, deux éditeurs puissants, habitués aux récompenses, Grasset et Flammarion. Et c'est plutôt un indépendant qui est aujourd'hui récompensé, Philippe Rey. Voilà, c'est un indépendant ou même deux indépendants, puisque Philippe Rey s'est associé en fait avec une maison dakaroise pour publier ce livre, les éditions Jimson. Et en effet, ça récompense le très beau travail de Philippe Rey sur les écrits, sur les romancier africain d'expression française. Ça récompense aussi sa persistance. Voilà, Philippe Rey, c'est quelqu'un qui édite aussi une romancière comme Joyce Carol Oates et qui a réussi à s'imposer vraiment dans le paysage. Et aujourd'hui, c'est une consécration pour lui, bien sûr. C'est compliqué pour les indépendants, comme ça, de porter un ouvrage, en tout cas d'y croire et d'arriver à la consécration comme aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, prouve que c'est pas impossible, hein, que la grande qualité littéraire d'un livre peut... Mais ça se fait pas comme ça. Hein. Ça se fait pas comme ça, parce qu'effectivement, il y a des... voilà, tout se passe à l'intérieur d'un milieu littéraire où les gens se tiennent tous un tout petit peu et où il y a des conflits d'intérêts, des concordances d'intérêts, des choses comme ça. Et c'est sûr que les éditeurs indépendants ont sans doute moins d'armes à faire valoir pour imposer leur candidat. Maintenant, là, je pense que c'est vraiment un livre qui s'est imposé sur ses seules qualités littéraires. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet ouvrage qui se voit récompensé? Écoutez, beaucoup de choses m'ont plu. Alors, ce qui m'a plu, c'est d'abord toute la première partie qui raconte en fait la trajectoire d'un personnage qui ressemble beaucoup à l'auteur, hein, qui est étudiant, qui est thésard, qui tente d'écrire une thèse et puis qui en fait procrastine en écrivant des romans. Ça, j'ai beaucoup aimé cette façon dont il décrivait le milieu des romanciers africains publiés en France, dont il établissait des typologies de ces romanciers qui sont très marrantes souvent et en même temps très écrites de façon très sophistiquée. Et puis j'ai adoré ensuite ce qui est le cœur du livre, c'est-à-dire la quête d'un livre maudit. Hein, ce personnage dont je vous parle, ce jeune étudiant, il va devenir obsédé par un livre qui est paru en 1938, qui s'appelle Le Labyrinthe de l'Inhumain, dont l'auteur a proprement disparu. Le livre a été étouffé par un scandale. Et ça, j'ai adoré cette quête qui ouvre en fait vers d'autres quêtes menées par d'autres auteurs, d'autres critiques sur ce livre. Il y a un côté enchaînement d'enquêtes maudianesques et en même temps dans un monde africain. Tout ça, il y a des tonalités qui sont. Il s'amuse beaucoup à reprendre d'autres styles, à écrire en s'imprégnant d'autres écritures africaines, donc les lecteurs très renseignés y verront tout un grand jeu de références et d'allusions, et en même temps c'est pas du tout gratuit, c'est-à-dire qu'il y a une progression vers ce que peut être la littérature quand elle vous brûle, ce que peuvent être ces livres incandescents comme par exemple Le Voyage au bout de la nuit qui vous transforme à jamais, et quelles conséquences ça peut avoir d'écrire ce genre de livre. Voilà, donc c'est pas du tout c'est le contraire d'un livre superficiel, si vous voulez. C'est un livre qui va au cœur de ce que tout, enfin qui cherche à aller au cœur de ce que tous les vrais romanciers sérieux cherchent. Voilà. On vous sent en tout cas passionné. Ah, j'ai adoré. C'est un prix qui a été lancé, je le disais, qui remonte à 1903, qui tire son origine au siècle dernier et qui a su, malgré les épreuves, les difficultés, avancer dans le temps, se renouveler aussi. Oui, se renouveler. C'est un prix qui est évidemment toujours
hyper commenté, évidemment, qui a raté parfois quelques éléphants qui étaient dans le couloir, si j'ose dire, le plus célèbre étant Louis Ferdinand Céline. Maintenant, il est toujours bon qu'on parle du Goncourt, en bien ou en mal. Il est toujours bon parce que ça maintient le débat littéraire en haut de l'actualité, dans l'opinion. Ce prix, effectivement, il a traversé des tempêtes, il a fait des ratages, il a connu de très belles réussites aussi. Et là, à mon avis, c'est une de ses belles réussites, même si, sans doute, ça ne sera pas un record de vente. Je le souhaite, hein, j'espère qu'il sera un record de vente. Maintenant, pourquoi vous pensez qu'il ne va pas parler aux lecteurs suffisamment ? Il va parler sans doute à beaucoup de lecteurs, mais je pense que la façon dont les récits s'enchaînent à l'intérieur du livre, que moi j'adore, hein, c'est-à-dire que vous avez l'enquête du jeune étudiant qui va ouvrir sur l'enquête d'une dame qui s'appelle Cigadet, qui est une pitié, qui est une romancière aussi, qui va elle-même ouvrir sur l'enquête d'une autre poétesse haïtienne, etc. Vous avez toute une série d'enchaînements de narrateurs qui risque, à mon avis, de rendre la lecture peut-être un peu difficile pour les gens qui préfèrent les livres de plein pied, avec une histoire, un narrateur. Oui, il y a de la profondeur, il y a des portes à ouvrir. Il y a des milliers de portes à ouvrir. Voilà, il y a des milliers de portes à ouvrir. Il y a tout un jeu de références cachées. Il y a toute une réflexion aussi sur le plagiat et la reprise en littérature. Bref, c'est un vrai livre de littérature. Hein. Voilà. Un mot peut-être du prix Renaudot qui a été décerné dans la foulée à Amélie Nothomb. Ouais, alors écoutez, on ne la présente plus. Voilà, on ne présente plus Amélie Nothomb. Récompensée pour Premier Sang cette fois. Voilà, Premier Sang, qui est son livre autobiographique où elle revient sur la figure de son père, Patrick, qu'elle avait déjà abordé dans notamment Métaphysique des tubes. Alors Amélie Nothomb, je suis très content aussi pour ce prix-là, simplement parce que on voyait bien qu'en fait, elle était en train de se rapprocher du monde des prix. Elle a écrit il y a 2 ans, si je me souviens bien, Soif, qui est un livre très audacieux. Elle prenait la parole à la place de Jésus, si j'ose dire, au moment de la Passion. Ce livre avait été au bord d'obtenir le prix Goncourt. Et puis là, ce livre, enfin, le dernier, Premier Sang, c'est son livre peut-être le plus personnel et le plus difficile à écrire. Hein. C'est un livre écrit sur son père, alors que son père venait de mourir. C'est un très beau texte. J'ai qu'un regret sur ce texte, en fait, c'est qu'il soit trop court. Et c'est un livre qui se lit très vite, et peut-être qu'on en veut plus. Et en même temps, Amélie Nothomb a choisi de lui donner cette forme-là. Elle méritait tout à fait son Renaudot. Voilà. Merci beaucoup Alexis Broca pour cette journée dédiée évidemment à la littérature, les prix Renaudot et Goncourt décernés. Ce qui vous satisfait, semble-t-il, la sélection du jury cette année et cette récompense. On va évidemment avoir l'occasion d'en reparler. Mohamed Bougarsar, 31 ans, donc récompensé aujourd'hui. Vous restez avec nous, Paris Direct revient dans quelques instants, juste après.